Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page magazine spéciale de votre émission ActuBuzz consacrée à la cérémonie de prise de pouvoir du ministre en charge du numérique, le professeur Eberhard Kolongele. Comme vous le savez, c'est depuis lundi 26 avril dernier que le gouvernement a été investi au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, nous sommes donc en pleine cérémonie des remises et reprises dans les différents ministères. Et le ministre en charge du numérique, Eberhard Kolongele, a respecté la tradition. Il a pris possession de ses nouveaux bureaux, il a pris possession de son nouveau bâtiment. Lui qui va désormais patronner le ministère du numérique, un nouveau ministère créé dans le but, bien évidemment, d'asseoir l'outil Internet ici en République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voulais suivre le déroulement de cette cérémonie de prise de pouvoir par le ministre Eberhard Kolongele et je vous retrouve tout juste après. Président Kassavubu, l'ancienne présidence de la République, donc c'est un bâtiment symbolique pour la République qui a été réhabilité par les SU
Avant, c'était le bureau du gouverneur général de la colonie. Les Belges qui géraient les Congo belges et les Rwanda au Burundi, ils les faisaient à partir de ces bureaux. Et à l'indépendance, le Congo a été cédé aux Congolais le 30 juin 1960 dans ces bureaux, lorsque le président Kasavubu a fait la remise et reprise avec le gouverneur, le dernier gouverneur général de la colonie. Et le président Kasavubu a travaillé dans ces bureaux pendant 5 ans, de 1960 à 1965. Je suis très honoré d'avoir travaillé dans ces bureaux et je suis très flatté de pouvoir céder ces beaux cadres de réflexion à un frère, un ministre compétent, l'ancien directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et directeur de cabinet par intérim du chef de l'État. Je suis très fier de lui céder ces locaux. J'ai confiance qu'il fera bon usage de ces bâtiments et qu'il fera un service de qualité pour la République. Voilà. Maintenant, juste une petite visite. Là, on est dans la salle, la grande salle. On passe à côté pour montrer un peu au nouveau propriétaire le bâtiment. Ah, moi je passe là-bas. Hein. Celui de remercier avant toute chose le bon Dieu qui a voulu rendre cet instant aujourd'hui mémorable et réalisable parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je voudrais aussi remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée en son humble serviteur que je suis, en me donnant un challenge très complexe qui est celui de pouvoir implémenter la numérisation, n'est-ce pas, des administrations, services de l'État, qui est une tâche très très lourde, très compliquée, mais pas insurmontable parce qu'avec son soutien, avec le soutien du Premier ministre, son Excellence Samar Lokonde Jean-Michel, je suis très sûr que nous allons y arriver. Et je ne peux pas non plus manquer de remercier mon frère, le ministre Thomas Louaka, que tout le monde connaît par ailleurs comme la mémoire du Congo, parce qu'il connaît le Congo. Il vient encore de le démontrer en quelques instants, en nous donnant quelque chose que nous ne savions pas, parce qu'on passe souvent devant ses bureaux, mais je n'avais personnellement jamais su que c'est ici où le président Kasavubu, n'est-ce pas, pendant 5 ans, avait travaillé. Donc je vous remercie, monsieur le ministre, d'abord parce que vous êtes un ministre du monde scientifique auquel je fais partie. Et surtout, vous êtes un ministre qui avait le sens des infrastructures. Je pense que vous y êtes passé. Vous avez gardé à l'esprit la nécessité de pouvoir donner de la valeur aux infrastructures. Nous vous remercions vraiment pour... le travail d'entretien que vous avez fait de ces bâtiments qui étaient à l'abandon hein, il y a une certaine période. Et donc nous allons continuer là où vous êtes arrêté. Le travail de construction, le travail d'aménagement, c'est un travail continu. Et donc nous allons le faire. Nous vous remercions aussi pour les leaderships que vous avez implémentés pendant plusieurs années, n'est-ce pas, au sein de l'exécutif. Et nous ne doutons pas un seul instant que vous ne cesserez d'être utile à ces pays. On a besoin de vous. Vous pouvez compter sur notre soutien et je ne manquerai pas à tout moment, lorsque besoin se fera sentir, de revenir vers vous dans l'accomplissement de la mission qui m'a été confiée. Pour le reste, nous remercions toute l'assistance, tous ceux qui, de votre équipe et de mon équipe, ont travaillé en étroite collaboration pour que cela se fasse ainsi, en espérant que les meilleurs restent à venir. Pour le reste, nous nous recommandons tous entre les mains du Seigneur et nous espérons que tout ira bien pour l'intérêt du Congo. Je vous remercie. Merci.
Vous levez ça avec ça. Génial, vous aurez des... Génial. Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Inspiré. Ah d'ailleurs, monsieur l'abbé, je pensais là. Appelez monsieur l'abbé. C'est votre maison. N'hésitez pas, par un conseil, par un apport technique, par un soutien, de pouvoir apporter votre main pour la réussite, n'est-ce pas, de cette entreprise que nous allons, n'est-ce pas, ensemble commencer à. Nous espérons que nous allons travailler dans une bonne collaboration et que Dieu nous aura vraiment cette chance-là avec laquelle nous allons rester. Pour le reste, Mamadou va s'occuper, si elle a un programme, je pense qu'elle est là. Allez, merci. Ça n'est fini pour cette page spéciale dédiée à la cérémonie de prise de pouvoir par le ministre Eberhan Kolongele, à qui toute la rédaction de Congobus Télévision souhaite bonne chance au nom, bien évidemment, de la réussite de l'action gouvernementale. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Merci à Bajo qui vous a proposé ces très belles images. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.